Donner une autre image des jeunes de quartier dits sensibles. Wanted Acte 1 est le fruit d'un travail de 6 mois. 16 jeunes de 18 à 27 ans ont participé à une aventure humaine, audiovisuelle et sociale. À l'origine, une rencontre entre Pépiang, réalisateur déjà remarqué, et l'association Karma. On s'est entendu sur pas mal de choses, surtout sur l'objectif en fait que Karma s'est lancé autour de ce projet, qui est l'accompagnement des jeunes et puis mettre en place un projet pour les jeunes des quartiers différents. Donc moi j'ai trouvé ça trop passionnant, je suis quelqu'un qui aime bien travailler, qui aime bien partager, et du coup travailler avec plusieurs quartiers c'était aussi en fait intéressant pour moi et enrichissant, surtout d'entrer en contact avec des jeunes. Plonger comme des pros dans l'univers de la télé, se donner une chance de prouver ses capacités, montrer son talent caché, parler de sujets qui tiennent à cœur. Les quatre magazines enregistrés abordent les thèmes de l'emploi, de la place des femmes, de l'engagement des jeunes ou le milieu artistique. L'important était d'aller vers l'autre. Chacun des jeunes ont joué le jeu pour aller dans tel quartier, et d'aller surtout à la rencontre des habitants et particulièrement des autres jeunes. Et ça, cette ouverture vers les autres, ça a quand même permis aussi à ce groupe d'élargir aussi leur mode de pensée et leur mode de vie et leurs convictions sur certains sujets qui ont été approchés. Et ça, ça a été aussi une belle richesse pour eux. Pour ces jeunes adultes au parcours semé d'embûches, à l'avenir incertain, ce projet a suscité des vocations, fait naître certains désirs. Dans ce projet-là, j'ai rencontré deux choses. J'ai rencontré le milieu un petit peu audiovisuel, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai rencontré aussi le milieu social, je trouvais ça aussi intéressant. Quand j'étais jeune, je faisais partie des MJC qu'il y avait à Tournord. Je ne comprenais pas le métier d'animateur social en fait. Et là, en grandissant, justement, en faisant partie de ce projet-là, j'ai compris un petit peu le rôle que pouvaient avoir certaines associations. Les quatre soirées télé programmées feront peut-être naître d'autres envies, et déjà, la suite se prépare.